Eh bien, salut les vilains! On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de HTSP sur le Rayman Origins pour un niveau palme farfelu. Déjà que le précédent niveau sous-marin était assez casse-couille. Là, j'ose même pas imaginer ce qu'on va avoir droit. Ça risque d'être vraiment ultra galère. Vraiment, je sais qu'il y avait un niveau sous l'eau mais qui m'avait saoulé à un point pas possible. Je pense que c'est lui. C'était peut-être celui d'avant. J'espère d'ailleurs que c'était celui d'avant. Mais... mon pessimisme de tous les jours me dit le contraire. Alors hop, déjà ça nous fait une petite pièce. Un autre cœur. Voilà, et déjà attention à cela. Voilà. Ça c'est un ennemi ça. Oula, il essaie d'aspirer. Non, tu ne mourras pas. Ah, tu le vois? Est-ce que tu vois cet espadon qui veut mon cul? Allez hop! On voit qu'il y a une. Il y a une pièce là-bas. Elle doit pas être bien compliquée à choper. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Ça c'est fait. Oup, 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 oup. Il y en a un sur les deux que j'avais pas vu tout de suite. Là, ça sent la cachette. Eh oui, monsieur. Bien évidemment, la cachette. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux le tuer, ouais. Ouh. Ouh, attention. Que sont ces démons? Ah, c'est sérieux? What the fuck? D'accord. J'ai voulu lui mettre un coup... depuis l'eau, mais le jeu en aura décidé autrement. Ça fait chier parce que là, il suffit de... Oh là là, mais ils vont quand même me tuer. Mais oui, parce qu'ils peuvent voler en plus. Attends. C'est quoi ce délire là? C'est trop chaud. Je vais pas abandonner. Attends, il y a des toons derrière là. C'est l'équivalent d'un niveau fini. Voilà, dépêche, 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 dépêche. Mais dépêche, qu'est-ce que... Ah! Non! Ah là, pour le coup, j'avais un cœur, mais ils se sont battus les couilles. Hein. Ok. Voilà. Oui. Oui. Vite. Ah, c'est chaud! C'est toujours pas fini? Non! Non! Oh là là, c'est sérieux, j'arrivais pas à faire ce vieux saut de merde. D'accord, ok. Alors là, ça va être la galère juste pour récupérer une... Pauvre cage de Toons. Bon, d'accord. Toi, ouais, bon. Tu la sens, la galère, tu la sens. On va bien en chier. Voilà, dépêche. Allez. Non! Mais c'est une blague! Oh là là, oh putain. Pourquoi c'est dur comme ça là? Serais-je aussi mauvais? Non, mais me fais pas perdre de temps toi. Non, putain, je l'ai pas eu. Ah mais dans tous les cas, ils vont mourir. Ah mais c'est... Je suis trop con. D'accord, en fait, c'est ça qui me faisait me planter. C'est que j'ai essayé de tuer les ennemis, mais j'ai pas besoin en fait. J'ai vraiment pas besoin de les tuer. Ils vont mourir tout seuls. Bah voilà, bah là ça va être plus simple. Mort de rire. Bah voilà. Non, mais alors tu vas pas. Non, mais il fait chier lui, putain. Ils l'ont mis à l'endroit parfait. Tu sais, putain. Correspondant au niveau de l'eau juste. Pour que ça te casse bien les couilles. Que tu puisses pas le tuer juste avec un saut. Allez, 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 allez. Dégage. Voilà. Hop. Oui. Putain, c'était vraiment pas compliqué, mais je me cassais la tête pour rien. J'essayais de tuer tous les ennemis sur la route. Je faisais pas attention que les sortes de piranhas volants, là, ils s'occupaient de ça à ma place.
En même temps, ils avaient placé tellement parfaitement, c'était genre vraiment... Vas-y, faut les tuer, quoi. Ah, ça sentait un passage secret, ça, une sorte de grotte marine, mais pas du tout. Hop, 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 je récupère un cœur. Il y aurait pas des trucs cachés, là, ou c'était juste pour buter des ennemis? Ah, c'était juste pour buter des ennemis. En plus, je les ai eu les trois en même temps, mais j'ai quand même pris des dégâts. C'est pas grave. Prenons l'exemple sur Rayman, regardez, on voit, il kiffe sa vie, Rayman. Et là, il est content, peu importe ce qu'il fait. Même s'il est en train de combattre des putains de démons, il est heureux. Aïe, 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 ah bah là, il est moins heureux, là, tout de suite. Allez, retry. Hop. Voilà, là, on a chopé la corde, on chope ça. Le petit cœur. Et on pouvait... Alors attends, si je frappe ça, ça va faire exploser directement la TNT. Attends, mais comment on va faire là? C'est mort. Ah, il fallait... D'accord. Puisque le truc met du temps à tomber, il fallait passer dans l'intervalle. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on aura les 150 avant la fin du niveau. Voilà. 146. Et si le niveau est aussi long que le précédent? C'est bon, on a vraiment de la marge. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, il y a un courant qui m'emmène vers le fond. Lila lila lou. C'est trop bien. Je pense que tu pourrais écouter du Rayman pour te relaxer. Ah, elle est trop trop relaxante cette musique. C'est moi tranquille. Encore? Ils vont arrêter de foutre des poissons comme ça? Voilà. Oula, ça sent la fin du niveau ça. C'est quoi ça? Pourquoi on est libre comme ça? Pourquoi tant de liberté? Voilà, ça va me suffire. Attends, ils ont mis des plateformes. Comme s'il n'y avait pas d'eau, tu sais. Hop. Je vous snob, je vous snob une seconde fois. Ah, j'ai perdu un cœur. Eh ben, j'ai perdu le second. Ok. On va éviter ces lums. Ces lums, c'est le fruit défendu, en fait. C'est la tentation personnifiée juste pour que t'ailles mourir. Alors qu'en plus, on sait très bien qu'on n'atteindra pas les 300 lums dans ce niveau. Et qu'on a déjà les 150, donc ça revient juste au même. Mais ils sont là, ils brillent, c'est en mode, viens nous chercher. Et toi, comme un gros con, bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas aller chercher et tu meurs comme une sale merde. Voilà, on va laisser tranquille cela. Voilà. C'est bien mieux. Oup, 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 oup. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Hop. Et voilà, fin du niveau. Petit strike. Et c'est bon pour nous. Ça nous fait deux pins et le troisième qui va venir s'ajouter tout naturellement. J'espère qu'il n'y a pas un moment dans le jeu où ils vont commencer à être plus exigeants au niveau des lumps. Mais je pense pas, je pense que ça va rester comme ça tout le long. Parce que ça rendrait pas forcément le jeu plus dur, puisque je suppose que s'ils demandent plus de lumps, c'est qu'il y en a plus dans le niveau. Ça me paraît logique. Allez, du coup, retour à la croisée des rêves. On va pouvoir avoir le petit niveau gratuit. Alors on m'a dit que le jeu était long. Dans les commentaires, je pense pas. Je pense que c'est quand même un jeu relativement court. Regarde, un nouveau personnage est bloqué sur un bon fleur. Je crois que c'est encore un petit être, donc on s'en fout. Regardez, il y a quoi? Franchement, dans un monde, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 niveaux, c'est ridicule. 1, 2, 3 niveaux. Plus le niveau gratuit et le niveau mosquito. Et le fameux niveau dent de la mort ici. C'est vraiment pas grand chose. Donc il peut y avoir 10, 11, 12 mondes. C'est pas ça qui rend le jeu très très long quoi. C'est presque un jeu qui aurait gagné à avoir un éditeur de niveau. Parce qu'ils ont vraiment créé plein de briques de gameplay avec plein d'ambiances différentes.
mais ils exploitent pas tant que ça, tu vois, contrairement à d'autres productions occidentales, justement, où quand tu crées des briques de gameplay, tu sais que tu vas avoir 25 niveaux avec les mêmes. Là, ils ont créé au moins 10 mondes avec des briques totalement différentes, et des fois même dans ce monde qu'on avait fait précédemment, là, le sort de monde de bouffe. T'avais déjà dans ce monde-là, alors qu'il y avait que 3 niveaux, 2 niveaux de glace et 1 niveau de feu. C'est assez ouf. C'est vrai qu'un petit peu à l'image d'un Mario Maker, ils auraient pu laisser tout ça un petit peu en libre accès, tu vois, pour qu'on puisse partager des niveaux en ligne. Hop hop hop, attends, je peux me barrer s'il vous plaît? Merci. C'est quoi ça? C'est sérieux? Je suis mort dans le niveau gratuit? J'étais tellement détendu, j'avais les deux pieds sur la table. J'ai même pas été foutu de bien viser le truc qu'il avait sous lui là. Bon, tu sais quoi? C'est combien de lumes qu'il faut? Ici c'est 105. Non. Et non. Je sais que c'est 175 si on veut les. Si on veut les deux trucs. Et ça doit être 120 ou 100. Je me souviens plus trop. Voilà. Hop là, oh non. J'avais fait le move parfait en plus. Mais je sais pas comment j'ai fait pour pas en choper. Pour pas tous les avoir d'un coup. De toute façon je suis à 176 donc on est bon. On va juste éviter de mourir. Et là s'il te plaît. Voilà, merci. Alors j'avais vraiment fait une mort conne. Et du coup on va avoir tous les pins techniquement. Voilà, le petit Z qui fait le décompte. Et le troisième et dernier pins, voilà. J'aimerais bien savoir, n'empêche, si une médaille, ça nous donne un bonus. Est-ce que c'est vraiment juste un truc de complétionniste, ou est-ce que t'as vraiment un gros bonus à choper une pièce, quoi. Enfin, une médaille. Bien joué, un nouveau coffre à pâte est débloqué là-bas, terre gourmande. D'accord. Et du coup, le niveau qui va nous amener... C'est quoi? Au cinquième monde, c'est ça? Alors, on m'a demandé si je pouvais faire des lives sur ce jeu... Malheureusement, comme vous le savez pour la plupart, j'arrive toujours pas à faire de live sur PS3. Mais je pense que ça peut vraiment être une bonne idée de faire au moins les coffres à pâtes en live. Parce qu'en vidéo ça sera pas super fun, quoi. Alors qu'au moins vous pourrez vous foutre de la gueule de mon skill pendant un live, ça pourrait être plus rigolo. Du coup j'essaierai d'arranger ce problème qui nous empêche de streamer sur PS3. Et ainsi on pourra faire les coffres à pâtes sur Rayman Aventure. Rayman Origins, qu'est-ce que je dis, Rayman Aventure. C'est quelque chose ça d'ailleurs, Rayman Aventure, c'est lequel celui-là? Maintenant que je le dis, je suis presque sûr qu'il y en a un qui s'appelle comme ça. Voilà, le bon petit paquet de lums. Oula, attends, mais alors lui, il m'a foncé dessus depuis l'endroit de la map. Merci pour rembourser ce cœur. Voilà. Dans ce niveau aussi, c'est 300, je crois. 300 lumes si on veut les deux pins. Déjà, normalement, là, on en a un. Et si on peut viser 300, ça peut être assez sympa. Toi, je te tue. Voilà.
Oula, attends. C'est la petite copine du boss qu'on a tué tout à l'heure, ça. Et c'est un peu plus technique parce qu'ils ont rejeté des ennemis sur la route. Ok. Ok, on va le combattre sous l'eau. Oh là là, attends, ils sont plusieurs. Non, mais alors là, attends, je me prends des dégâts parce que ils me font des attaques surprises là. Ah, mais ils sont immortels en plus. Non mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. Oh là 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 là. Vite le cœur. On n'est pas loin des 300. Ah, je pense qu'on va les avoir. Et voilà, on a les 300, parfait. Maintenant, il va falloir tâcher de pas mourir. Voilà. Imagine, on chope une médaille en plus. Bon, faut pas trop rêver non plus, mais... Justement, on se demandait à quoi ça servait. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Ouf. Ah, ça va être la fin de là, je pense. Ou alors ils vont quand même rajouter un... Non, ils ont pas mis de boss. Du coup, pas de médaille. C'est dommage, parce que franchement, on s'était bien débrouillé cette fois-ci. Mais on va quand même avoir les 3 pins. C'est tellement jouissif, cette fiole qui se remplit comme ça. Il y a vraiment trop de bonnes idées dans ce jeu, en fait. Du coup, on va pouvoir découvrir le nouveau monde. Et ça avait l'air d'être une sorte de monde assez classique. Une sorte de plaine montagneuse. Qui nous ramène donc, comme vous pouvez le constater, à l'arbre aux fleurs. Ah bah oui, c'est le pic mystique. Bah, c'était le dernier monde dont je vous avais parlé. Donc ça veut dire que c'est pas du tout la fin. Attends. Donc le pic mystique, c'est vraiment pas le dernier monde. Puisque sur Super Solu, j'ai vu qu'il y en avait genre 10 ou 11. On va voir ça. Bah dans la montagne, c'est parti. Donc on dirait qu'il y a une idée de rouage, d'horloge. Hop 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 hop, attends, j'étais pas prêt pour ça moi. Alors on récupère monsieur le roi. Hop. Hop. Et là... Youhou! J'aurais pu tuer ses ennemis pour avoir encore plus de lums. Cette pièce. Ah non, je pense qu'elle est jouable la pièce. Elle est vraiment jouable. Il y a vraiment juste un petit truc à faire. Voilà. Il n'y avait pas de raison de flipper. Ah, et oui, on va avoir un nouveau pouvoir encore. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Ça va être lié au froid? Ah ah ah! Ne serait-ce pas le pouvoir de courir sur les murs? Oula, attends, j'ai fail là. Ouais. Putain, je me rappelle de ces trucs. Putain, on pouvait courir sur les murs sur Rayman, c'est vrai. Hop, 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 hop. Non! Vite! Prends-lui la main. Ok. Ouf, il était tendu celui-là. Ah, attends, c'est pas fini encore. Oh là là, je l'ai raté. Oh, la pièce. Alors là, la pièce, elle va bien se faire mettre. Ok. Hop. Reviens là. Il va s'arrêter. Oh là 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 là. Ils font des petits tricks en plus. Oh, il lâche rien. Attends, qu'est-ce qu'il va falloir faire là? Vas-y.
Ouais. Il bouge plus là? Non, c'est pas possible. Mais je peux pas le toucher. Non, c'est trop risqué, je vais mourir, je vais devoir tout me refaire. Oh là 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 là, attends. Non, c'est pas possible. Je peux juste pas passer. Ah voilà, c'est bon. Il fallait le brusquer un petit peu. Et là, ça va être trop stylé. Oh là là, c'est trop classe. Oh, merde. Ah bah ça a quand même marché. Attends, mais du coup, tu sens pas le truc caché, toi? Genre ici, non? Y'a pas un truc planqué? Oh, bah non. Ça paraît... C'est presque trop évident, tu sais. Ah, merde, attends. Ouais. S'il y a un truc qui coupe brusquement comme ça là, tu peux plus le faire. Mais alors du coup, comment je vais atteindre ça là? Si je time parfaitement. Oh! Voilà. Salut les copains. Non. Pourquoi j'ai fait ça? Bon bah là on va retomber tout en bas. Ah eux aussi ils peuvent marcher sur... sur les murs. C'est un pouvoir classique dans l'univers de Rayman, ça? Oh non, putain! Je fais toujours la même connerie, je saute au dernier moment, tu vois, réflexe. Sauf que du coup, bah forcément, puisque t'es penché à 90 degrés, bah tu sautes dans l'autre sens. Voilà. Oula, attends, je crois qu'il y a une QTE. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se baisser. Faut se baisser. On se baisse. Ok. Et là du coup oui, c'est le fameux niveau. Oh là là, alors lui. Ah, ça va vraiment être d'un tout autre d'un tout autre niveau justement. Quoi, devoir s'habituer assez vite à cette nouvelle mécanique qui est assez compliquée parce que du coup quand t'as la tête à l'envers comme ça, il faut penser aussi que le joystick ne s'inverse pas. Du coup il y a des moments c'est vraiment très contre-intuitif, genre tu penches ton joystick dans un côté et en fait Rayman il va dans l'autre. Oula, alors attends. Déjà, ça sent la cachette par ici. Eh oui! On va pouvoir délivrer des toons. Alors c'est quoi ça? Ça peut pas tuer ça. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Là, eux par contre, pour eux ça va être méchant. Voilà. Non! Oh non, non, mais alors là... Alors là, mort plus bête que ça, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Ah, on avait déjà raté une cage. Bon bah ça me surprend pas parce que on a quand même carrément changé de zone dans le niveau. C'est logique qu'il devait y en avoir un avant. Hop là. Là par contre, je crois que j'ai fail. Oui effectivement, il faut revenir en arrière. Et là. Voilà. Là normalement. Ça ou non dans l'autre sens alors ouais, ça soulève et là il faut se dépêcher, lâchez mes amis. Oh là là là, j'ai failli crever à vouloir faire des attaques bizarres là. Attends, haha, tu ne mourras pas, il y a un truc caché.
Voilà. Ça nous fait 233 lums, mais du coup on n'aura pas les 300. Et si je fais tourner ça, ça fait quoi? Ah ouais, ça va m'emmener la liane. Oh là là, c'est tellement stylé. Vraiment, je le répète, il y a trop de bonnes idées sur ce jeu. C'est abusé. Un vrai plaisir. Voilà, du coup, on a la cage, on va avoir le pins pour les 150 lums. Globalement, on se débrouille. En tout cas, pour l'instant, on n'a jamais été bloqué dans le jeu, quoi. Ils nous ont jamais encore réclamé des toons. Et là, on s'arrête à 60 des 300. Du coup, est-ce que aussi pour le pic mystique, on va avoir que 3 niveaux ou... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être quand même plus long. Regarde, un nouveau personnage est bloqué sur la bronfleur. Ah, alors lui, par contre, je sais pas lequel c'est. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus long, là. Parce que, du coup, au troisième niveau, on sera au niveau qui fait la jonction avec la dent de la mort. Donc là, ça risque d'être un monde un peu plus long. Je vais aller sous la bronfleur. Pour voir ce qu'on nous propose en nouveau personnage. En espérant que cette fois-ci, c'est pas un autre petit être. Parce que je les aime franchement pas. J'ai l'impression qu'ils ont détourné dans tous les sens possibles. Mais ah non, c'est encore un petit Z, vous êtes sérieux? Et même le prochain, c'est encore un petit Z. Non mais mettez, je sais pas, des Raymond, des Globox, des trucs. J'aime pas du tout les jouer, les petits êtres. Allez, du coup on va se lancer sur Babouin Mystique. Et ça sera certainement le dernier niveau de cet épisode. Je me gratouille l'oreille vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ah, j'ai fail apparemment. Ah, il fallait juste continuer. Je commence à trop m'y croire là. Oh merde. C'est sérieux? Bon. Voilà. Ah, il y a un truc caché là-bas. Oh mais c'est sérieux. Attends, mais pourquoi j'arrive pas avec ce pauvre type là? Attends. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on glisse une fois qu'on est sur lui. Il y a forcément un truc caché là-bas. Tu me la fais pas à moi. Voilà. Et encore une transition de zone à zone. Ils se sont vraiment fait plaisir. Ouais, je te dis, les actionnaires d'Ubisoft, ils devaient pas être contents. Ils ont fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce dépassement de budget là? Moi, je suis pas d'accord. Et après, quand le jeu est sorti, ils ont dû faire, ah, j'aime bien l'argent qui rentre. Je sais pas si c'est bien vendu d'ailleurs le jeu. Mais bon, généralement, quand un jeu est bon, les joueurs le rendent bien. Et ça, des fois ça arrive que non, et c'est vraiment très triste. Mais c'est pas souvent le cas, on va dire. Et de toute façon, même si le jeu s'est pas bien vendu à la sortie, généralement ça offre pas mal d'opportunités, des produits dérivés, des suites, etc. Un succès tardif, c'est toujours une forme de succès. D'où le fait qu'il va y avoir un Beyond Good and Evil 2. Je sais pas quand d'ailleurs. Par le même créateur que Rayman, hein, Michel Ancel, c'est le même qui fait Beyond Good and Evil, qui fait Rayman. C'est le même qui fait tous les bons jeux chez Ubisoft en fait, tout simplement. Vous voyez un bon jeu chez Ubisoft? C'est Michel Ancel, voilà, c'est... Faut pas se prendre la tête. Ouh là là, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, tu dégages. Non, putain, il faut que j'arrête de sauter.
Voilà. Par contre, ça sent le truc planqué en haut, là. Bon, y a forcément un truc planqué en haut. On va essayer d'y aller. Voilà, j'arrive pas. Tant pis. Toi, tu vas pas faire chier. Ah, pourquoi j'ai raté, là? Fallait courir? Oh merde, je crois qu'il faut courir. Non, ça marche pas. Attends, comme ça. Comme ça. Voilà, d'accord. Comme ceci. Ok, ok. Ok, c'était un petit peu technique. Hop. Quand tu commences à t'habituer au jeu, mais c'est fluide quoi, c'est tellement beau. C'est un vrai plaisir. Par contre, il doit y avoir un truc caché là-bas. Là en dessous, non? Je sais pas pourquoi ça sent le truc caché. Je suis sûr que je vais faire une connerie. Non, j'entends le... Oh oui! En fait, on peut entendre leurs cris aux Toons. Ils font un appel... J'ai en mode... Oh là là, aidez-moi, s'il vous plaît! Ce qui se traduit en... Floppy! dans le jeu. Et tu sais qu'il y a des... Il y a une cache à proximité, en fait. J'arrive! Voilà! C'est déjà la deuxième planque, donc... En fait, ils sont de mieux en mieux cachés. Ils font des trucs de salaud, tu vois, ils coupent la caméra à cet endroit-là pour te faire croire que, tu vois, c'est tu tombes dans le vide, tu meurs. Et en fait, non. Donc c'est quand même... tu vois, c'est un risque à prendre. Hein. Après, une fois que tu reconnais leur... leur appel à l'aide, tu te dis, bon, ils sont forcément cachés là, quoi. Mais frappe-le! C'est sérieux? Voilà! C'est fou le nombre de trucs qui se passent dans un même niveau. J'aurais peut-être. J'aurais bien aimé avoir le cœur en fait. Genre vraiment, tant pis. Peut-être qu'on va l'avoir dans ce try là. Oh non. Ah ouais, mais du coup il fallait faire... Ah merde, il fallait faire grimper le... Attends. Ça va être technique là. Donner un maximum d'élan. Voilà. Donc, du coup là j'ai même pas perdu de temps pour frapper le sac. Voilà. Petite extension du pied. Et là du coup c'est la fin du niveau. On a 194 donc au moins on décède. Au moins on aura un pins. Et voilà. Là pour l'instant on est sur un ratio de 3 pins par niveau quoi. Et voilà, on a celui-là, on le savait. Et du coup on va pouvoir jauger un petit peu mieux combien de niveaux il y a dans ce monde là. Ah bah non, en fait c'est vrai que la jonction, mais c'est déjà la fin. La jonction c'est pas un niveau qui fait la jonction, c'est vrai, c'est un entre deux. Et du coup il y a vraiment que 3 niveaux encore une fois. Ça fait vraiment court hein. 3 niveaux et on est déjà sur le niveau niveau gratuit et puis ensuite Mosquito normalement. D'accord. Sinon nous on va se laisser là pour cet épisode Rayman Origins comme prévu. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Et sur ce je n'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.